Direct, c'est bon, j'attends même pas, je te comprends pas. Donc là nous sommes avec les 5 mêmes verbes psychés que tout au début, c'est-à-dire que dans l'épisode 1 avant que Phoenix tombe. Donc là c'est un gros secret de ouf guedin, on est d'accord. C'est pour ça que je l'aime, que je fais en sorte que je l'aime pas. C'est con parce que je commençais un peu à l'apprécier, dommage. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus, aujourd'hui je suis de votre feuilleton Benjamin Hunter et Saturnet Trials and Tribulations. Oui, nous jouons encore Benjamin Hunter, nous jouons jusqu'à la fin de cet épisode, donc jusqu'à la fin du chapitre, j'appellerai ce jeu Benjamin Hunter et Saturnet. La dernière fois, Sir Bikini a témoigné, beaucoup de choses se sont contredites, se sont entrechoquées, notamment le fait que, eh bien, le motoneige est arrivé dans notre liste, dans notre dossier de preuves, soi-disant a été utilisé pour aller au pont du néant. Cependant, nous ne comprenons toujours pas pourquoi et dans quel intérêt. Iris avait la seule clé de la motoneige, donc pourquoi est-elle allée là-bas? Et enfin, a-t-elle réellement tué Elise Doxim? Doxim, je ne sais pas comment elle s'appelle. Trop de questions. Et surtout, maintenant, nous allons avoir droit à Paul, enfin Laurence Doxim, hein, l'élève de Elise Doxim, qui va témoigner et ça va être magique, je le sens bien. Donc, Iris, tu fais chier. Pour le moment. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est trop bien. Énorme, j'aime. Au moins, elle ment pas là-dessus. Génial, j'aime beaucoup. Je suis joyeux de ouf. C'est à faire le jeu. Ah putain, ça m'énerve. C'est horrible. Ça m'énerve. Ça va être joyeux. J'en perds mes mots. J'en perds mon latin, même, dirais-je. T'as l'audience numéro 7. C'est plus la 1 ou la 2. Ou la 3, je ne sais plus. La séance reprend. Où est le témoin? Une femme terrifiante, de visage démoniaque qui... je ne sais pas qui c'est, j'ai envie de dire, j'hésite. Fallait taire, en fait. Avortons l'artiste. Ça parle mal. Ça parle très mal. Non, tu crois? Direct, ok. Non, tu voulais donner une autre vie, la vision réelle de Francisca, c'est tout. Tu verras l'émeraude pour être plus précis dans l'intensité des herbes. Évidemment. Ah bon?
Oui, ça peut aussi attendre. Tu sais, tu peux écrire ton idée sur un bout de papier, puis voilà. Je crois qu'elle est pas contente. Quand je disais que ça allait être énorme. Ça commence, ça l'est, voilà. Alors, ton témoignage. Dans le chalet dans la montagne, j'ai observé les étoiles. Ça se tient. Comment il sait qu'il y a une motoneige en fait? Ah, c'est pas con! Tu m'étonnes! Ça parle tellement mal! Ça parle très 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 mal. Ça parle très très mal, j'aime ça. Parce que, soyons clairs, ramasser quelqu'un, si on a des raisons, ah bah, c'est cool. Si on a des raisons, attention. J'ai observé les étoiles. Et comment tu y allais, en fait? Mais combien? Seconde, il me faut le plan. Il me faut le plan. Olivier, oui, ça se tient, ça se tient, ça se tient. La mesure. Ah, on a tout dévoilé, voilà. Qu'as-tu vu? Pas la peine de recopier tout ce qu'elle a dit, hein. Bah, je pense qu'elle a l'habitude au bout d'un moment. Quoi? Tu parles que d'une motoneige? Il ment. Il faut insister. Voilà. Allez, on y va, on y croit. Allez, on y va, on y va, on y va, on y croit. Allez, let's go. Donc c'est là qu'il faut attaquer, on est sûr. Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Réflexion. Non. 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 Non plus. Je réfléchis, laissez-moi réfléchir. Très bien. Thank you.
Ah, c'est là-dessus qu'il faut que j'attaque, c'est sûr. Là, le plus évident, ce serait de montrer les photos de traces. Ce que je pense n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon, je m'en doutais. Allez, ça c'est fait. Bon, si c'est pas ça, essayons une autre tentative. Ouais, alors en fait, je crois que je suis un peu con. Je crois que je suis un petit peu con parce que je ne me souviens jamais de l'histoire, évidemment. Donc. Voilà, je suis un petit peu con parce que si je me souviens bien dans l'histoire vers la fin, il a rencontré Phoenix Wright parce qu'il l'a appelé Benjamin Hunter. Et c'est ça que j'ai oublié parce que je suis. Parce que j'ai Alzheimer, voilà, je vous l'avoue. Voilà, je suis con. Non mais, je suis con, voilà. Bah oui. Non. Non mais pas du tout. Entre autres. Alors j'ai plus de musique. Est-ce que c'est normal? Ah bah tiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vais oublier. Lol. Bon, au moins il essaye. Deuxième témoignage. Oh, c'était dur. Non, en fait, c'était pas dur, c'est juste je suis trop con. Oui. Oui. Ça se tient, pour l'instant, ça se tient. Oui. Attendez, parce que si on sait que le bulletin métaux est très très important dans cette affaire. La chute de neige, orage avec foudre et tonnerre 22-23. Quelle heure il a dit? Il a dit quelle heure en fait, parce que j'ai un doute, hein, j'ai un petit doute. Hein. Non mais il a le cul bordé de nouilles, tout le monde le sait. Hein. Je veux dire, s'il gagne les procès, c'est parce qu'il a de la chance. Donc oui, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça c'est intéressant par contre. Ça c'est très très intéressant. Oui. Il faut essayer. Ah tiens, oui, c'est pas con ça. Il y avait un téléphone public. C'est pas con. Ah
Voilà, il y avait un téléphone. Je m'en doutais. Par contre, j'ai tous. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est une réaction. J'ai un doute. Hein, tu m'excuses, Paul, mais j'ai un doute. Objection! Voilà, j'ai le doute, hein. Le doute m'habite tout ça. Et ouais. Et ouais, mon gars. Exactement. Pour l'instant, ça se tient. Ah, c'est drôle. Ouais, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose? Exactement. Et ouais. Et oui, et oui, et oui. Je m'en doutais. Non, tu peux pas. Mais on sait que t'es pas là, c'est bon. Oh, hein, attention. Parce que... Voilà. Alors, à vous. Ah, c'était drôle, lol, merde. Arrêtez d'utiliser ces images, c'est pas les bonnes. Exactement. Bah voyons. C'est un petit peu bizarre, hein. Hein, tu regardes le pot brûler. C'est un petit peu comme si t'avais foutu le feu au pont, hein. Ah, c'est bizarre. C'est étrange. Ah, ça y recommence. Oh non, il a perdu sa tête sérieuse. J'ai perdu sa tête sérieuse, c'est bizarre. Non, t'as bien, je suis dessiné devant le pont, blablabla, on s'en fout. Quoi? C'est que... Non. Le doute, évidemment. Ah, c'est étrange. Ah ouais? Vas-y, je suis chaud. Je suis chaud ouf, mon pote. Eh non, t'es rien, Paul, tais-toi. Je veux... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dessinais? Je veux savoir. Et tout le reste.
Quoi, tout le reste? Hein? Bah, montre-moi ce dessin. Un dessin pour sauver des vies. Allez, vas-y, on est chaud. On a que ça à faire. Allez, montre-moi ce magnifique dessin. Oui. Effectivement. Trou du cul. Voilà. Cet homme a un réel talent. Ouais. En tout cas, le pont est vachement beau. Excuse-moi. Iris, hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est un petit peu débile. Un artiste. Ouais, surtout parce que à moins qu'Iris soit devenu un mutant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lol, c'était drôle. Alors, il y a un précédent, n'est-ce pas? Ouh là là. Pas du tout, je le connais pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge, je ne le connais pas. T'inquiète, je l'ai trouvé. C'est pas mal, mais c'est de la merde. Enfin, ça me fait chier. Voilà. Donc, contre-interrogatoire, s'il te plaît. Alors. Non. Objection. Ok, tu me le donnes s'il te plaît? N'est pas l'accusé. Mais oui, oui, oui. Bah j'ai le voile, hein. J'ai le voile, le même voile. Bah le voile. On est d'accord, n'est-ce pas? Eh oui! Alors, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu mens! Tu mens! Oh, c'est. Change pas la conversation. Change. Il change la conversation. Très, très bien! Paul, tu m'emmerdes.
Non, je vais quand même le garder. Il rigole? Il rigole? Oh non. Pourquoi il rigole? J'attends toujours le moment où je vais me stupéfier. Stupéfie-moi. Oh mon dieu, encore une fois, un twist. Vas-y, je suis chaud. Impressionne-moi, vas-y, fais ce que tu veux. Je commence à en avoir marre de toi. D'accord. Une boule de cristal avec du sang. Non, ça ne te choque pas. Moi, je sais. Bon, ça, c'est trop simple. C'est simple. C'est une simplicité. Non. Où l'as-tu trouvé? Ah. Ouais. Allez, vas-y. Ouais, tu la rends. Je pense que ça doit être du sang. Oui. C'est incroyable. Ça change tout. Tout, tout, tout. Lol. Allez, on est chaud. Bah, là déjà, tu viens de te vendre, Paul. Tu t'es vendu, mais tranquille. Non. 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 Oh, c'est... C'est bizarre ça. Mais qui d'autre aurait pu perdre une bulle de cristal? Objection. Sa boboule. La boule magique. Oui. Et oui. Regardez bien. Elle a une boule. Hop hop hop, non je la prends, tu me l'as donné, enfin, on me l'a passé hein. Ah bon? Regarde, jette un oeil, il y a un bâton, et il n'y a plus rien, la boule a disparu, et oui, révélation. Toutes les émotions de Paul. Voilà déjà. Et voilà. Oh bah déjà. Oh. Bon bah voilà. Là on est sûr, c'est pas Iris. Calmez-vous. Je suis pas d'accord. Personnellement non. Ça m'étonnerait. Elle est un petit peu décédée. Non. Vraiment? Je suis pas d'accord. T'expliques le sang. Oh, ça parle mal. Pourquoi après le meurtre? Ouais. Oui. Oh bah on l'accuse Paul. Voilà. C'est bien.
Une tournure. Ma réaction, oui. Bah je pense que c'est de la merde, hein. Oui. Dossier. Bah oui. Présente la boule de cristal. Oh, magnifique image, magnifique image, magnifique pointage de doigts. Eh bien, la preuve, c'est la boule de cristal elle-même, et ça, c'est un twist. Prends ça. Le cornered. Allez, le pressing poursuite. Est-ce que tu la sens? Tu la sens, ma puissance? Révélation. Et non. Oh la sœur, hein, je l'écoute plus moi. La sœur, c'est une conne. Ah non, ah non non non, là il y a une différence. Elle existe, hein, t'inquiète. Facile. En admettant que ça ait lieu autant, enfin au pont du néant, ça expliquerait les traces. Mmh. Prends ça. Et oui! Ah, personne ne le savait. Mais arrêtez avec ce fort accord, c'est horrible. Ah bon? Ah ouais? C'est vrai. Non. Là c'est toi qui te prends trop au jeu. Et oui! Ah! Ah, tu t'es fait avoir. Pouf.
hop. Oh, j'en suis tellement convaincu. Toi, je t'aime toujours pas, n'est-ce pas, Paul? Hein, je te l'avoue, je ne t'aime toujours pas. Ah, dommage, Karma. Ah, quel dommage. Ah, c'est con. Bah oui. À moins, bien sûr, qu'il n'arrive plus. C'est dommage. C'est... Oh, c'est con. C'est bête, hein. Bah, voyons. Je crois qu'elle est pas contente. Je crois qu'il est évanoui. Yay, fin. Oh, c'était dur. Oh, c'était compliqué. Oui, on va voir. Eh ben, c'était chaud. C'était Tandax. C'était... Mais c'était bien. On avance. Voyons. Donc, ce souvenir que Paul avait vu Phoenix Wright, je ne m'en souvenais pas. Pour ce qui était de sa deuxième truc... Alors, j'avoue quand même que la deuxième déposition, un peu Tandax, fallait réfléchir. Fallait réfléchir, ce que je ne suis pas doué à faire. Pour la troisième, j'avoue quand même que le jeu dessiné, c'était un petit peu une perche. C'était un petit peu une perche après, pour ce qui est du voilà, facile. Après, la quatrième déposition, la boule de cristal qui aurait pu la perdre là, c'était extrêmement simple. Non, franchement, là, ça va encore. J'ai juste un petit peu galéré au début, mais sinon, c'est simple. Pour l'instant, ça, c'est pas trop dur à la fin. Là, je pense qu'à la fin, par contre, ça va être difficile à souhait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, les likes, les commentaires, les tout ce que tu veux, le partage, tout ça. Si c'est la première vidéo que tu regardes, toi, le viewer nouveau, je t'invite à regarder les contenus que je produis. Et si ça te plaît, à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter... Merci à toi et à tous. Bon jeu et à la prochaine.